My name is Zakaria. I am from Sudan. I married. I have two child. I work in here. Is Reza. Yes, yes, I like. Aujourd'hui, si on est dans les villes, c'est parce que le potentiel en termes d'emploi en Gironde, mais qui peut être reproduit dans l'ensemble des départements ou régions de France où il y a des vignobles, est absolument colossal. La viticulture, comme tout le monde agricole, est en manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre criant et en exponentiel depuis le Covid. Dans ce projet qui était très pertinent, en fait, dans les champs, c'était vraiment un moment où il y avait beaucoup d'incertitudes sur notre capacité à avoir du monde dans les vignes, hein. C'était ça le sujet. Or, la vigne ne nous attend pas, elle pousse et voilà, on suit le cycle des saisons. Donc c'était une belle opportunité en fait, voilà, pour réunir des énergies. Et c'est ça qui est génial avec Oval Citoyen, c'est cette énergie qu'ils mettent à l'œuvre pour aboutir. نحن في عمان ولنا ونرعى ونشوف يعني مستقبل كبير في دراستنا باللغة الفرنسية والعمل معهم. Je m'appelle Sefedine, je suis soudanais. Ouais, j'ai joué à rugby. Sefedine est venu nous rejoindre, a travaillé dans les vignes alors qu'il était malheureusement à ce moment-là à la rue. Travailler la vigne, travailler dans les champs alors qu'on dort dehors, c'est extrêmement difficile. Et il a eu une force de caractère absolument gigantesque pour tenir le coup. Le résultat post-Covid et post-vendange, c'est une réflexion qui a été faite avec les vignerons où dès le mois d'octobre, donc dans quelques semaines, plusieurs jeunes vont rentrer en formation, à la fois pour être tracteuristes et ouvriers viticulteurs. Et ce qu'on fait en Aquitaine, ou en Gironde, peut se démultiplier dans l'ensemble des vignobles français.